استنى شوي. العالم جنن. بدنا تروق الحالة حتى يفتح لنا شي محل. بالنسبة لي الخيط الوحيد اللي مازال ممكن قادر يربط ما بين المجتمع ويربي المجتمع ويخلق حب ما بين المواطنين هو السينما. السينما عبر الفيلم الطويل او الفيلم القصير او عبر التلفزة او السينما. فيه جانب اخر تاع تسلية حقيقة، ولكن التسلية هذه كذلك عندها دور تاع كتربية للشخصية وللشخص كفرد في المجتمع. Le cinéma, c'est d'abord la magie. Donc c'est la magie. La magie du noir et blanc, la magie de l'ombre et de la lumière, la magie de la couleur. Je parle du cinéma en général, naturellement. Et puis on se souvient, bien entendu, de Chaplin, de Orson Welles, des films qui nous ont rendus un peu meilleurs à chaque vision, qui nous ont rendus heureux. Et puis, moi je reste un amoureux des salles obscures et je les fréquente à chaque fois que j'en ai l'occasion. Malheureusement, il se trouve qu'à Oran, on n'en a pas beaucoup l'occasion. Le cinéma mondial, c'est un cinéma qui a bercé nos rêves d'enfants. C'est Karl Dreyer, c'est La Falconetti, pleurant parce qu'on l'avait rasé à cause du film de Jeanne d'Arc, film célèbre. Je l'ai vu avec un autre regard quand j'ai su qu'elle avait pleuré le jour où on l'avait rasé et que Karl Dreyer avait recueilli ses larmes pour les embrasser. Oh là là, résumer le cinéma à quelques mots, c'est très difficile, mais puisqu'il faut le faire, c'est une banalité, mais je crois qu'il n'y a que ça d'important. Pour moi, le cinéma, c'est l'émotion. C'est tout. On disait le cinéma, c'est la fête. Eh bien, le cinéma, c'est la fête, le cinéma, c'est la convivialité. Regarder du cinéma entre des cliquetis de fourchettes pendant qu'on mange un beefsteak, ou profiter d'un spot publicitaire pour aller se faire un casse-croûte, eh bien, c'est pas du cinéma. Le cinéma, c'est la salle, le cinéma, c'est la convivialité, le cinéma, c'est rire ensemble, c'est pleurer ensemble, c'est vivre ensemble une aventure, c'est vivre ensemble une passion. Je me rends compte que je fais du cinéma d'abord parce que j'adore raconter des histoires, et je trouve que c'est une notion importante, raconter des histoires. Je fais aussi du cinéma parce que j'aime les comédiens, et de plus en plus, et c'est vrai qu'on ne peut pas faire du cinéma sans les comédiens. Et puis aussi et surtout, je fais du cinéma parce que j'essaye, dans tous les films que je fais, et surtout maintenant, j'ai envie de dire, j'essaye de partager mes émotions. Et j'ai l'impression que le cinéma, ça devrait être ça avant toute chose, partager les émotions. قال عن السينما في الجزائر. إن السينما في الجزائر تعاني الأمرين من حيث الإنتاج والتوزيع.
بحيث نادرا ما نشاهد فيلما جزائريا من بين الإنتاج الضخم للأفلام الشرقية والغربية التي غزت سينماؤنا الجزائرية. فحالتها إذن يرتى لها من حيث الإنتاج طبعا الضئيل. فحين نذكر عدد المخرجين في الجزائر نجده كبيرا بينما الإنتاج قليل، لسنا ندري إلى ماذا يعود هذا. الفيلم الجزائري يقولوا الفيلم الجزائري فيلم جزائري كما نقولوا حنايا يعني. فيلم جزائري كاش نقول لك يتسمى مع الافلام تاع الخارج. على كل حال عندهم طبع عندهم كاش نقول لك ماشي كيما حنا لماش خاطر حنا درك جينيرالمون سي بسيكولوجيك لوسك اون فوا دي فيلم الجيريان نتاعنا اون كوني لا في لي فيل بلوز او موان دالجي تو سا اون كوني لي زيستوار بلوز او موان. Mais par contre, lorsqu'on voit des films étrangers, déjà on ne connaît pas les villes, on ne connaît pas leurs coutumes, on ne connaît pas même en ce qui concerne le comportement des gens. Là, donc on est généralement un peu attiré, on est un peu bercé par l'étranger. سينما الجزائرية نظن بلي أن مفيدة فيها ونقولوا حنايا بلي رانا نشوفوا الصوالح اللي كانوا بعاد علينا ما نعرفوهم شيء ولليوم رانا فرحانين بولادنا اللي راهم يتقدموا ويديروا لنا هاد لي فيلم. لي فيلم جزائري تفكروا بزاف الغبيله اللي كانت الدنيا مغبونه وكان اللي ما على بالهم شي بيها ولليوم راهم يعرفوا ويشوفوا بعينيهم بلي الدنيا كي ناس كانت مغبونه بزاف اللي كانوا واهمين. C'est vrai que le cinéma algérien fait énormément de progrès et qu'on voit qu'il a retracé beaucoup de choses du passé et qu'il y a, disons, beaucoup d'informations à partir de certaines choses qu'on ignorait. Il ne fait que refléter que la vérité. Nous avons dit que la plupart des artistes, dans leurs films, se concentrent sur le côté qui a une relation avec la guerre, sans qu'ils ne s'intéressent pas. فأنا أعتقد وهذا رأي يشاطرني فيه كثير من الزملاء أن مخرجين أكفاء لكن يجب علينا أن ندعمهم بالإمكانات المادية والمعنوية حتى يتفرغوا للقضايا التقنية المحضة. السينما ناسيونال malheureusement c'est pas un cinéma qui se distingue dans le monde actuellement, c'est le moins qu'on puisse dire. On peut se poser la question pourquoi. Bon, on a déjà, je pense, déblayé le terrain, l'appauvrissement des thèmes, la qualité de la technique, la qualité de la direction des acteurs. Il y a autre chose, à mon avis, il y a autre chose. Il y a autre chose, et c'est la chose suivante, c'est que l'Algérie a vécu pendant très longtemps une époque où le conformisme était de rigueur. C'est-à-dire que tout le monde devait penser la même chose, c'est clair. Et la qualité des films s'en est ressentie. Tout le monde faisait, en gros, essayer de faire la même chose. Mais ce qui est étonnant, c'est que si vous prenez par exemple l'exemple de l'URSS, l'URSS est un pays qui a connu aussi une période de glaciation, où le cinéma était enfermé dans une chape de plomb. Mais il y a des réalisateurs qui ont émergé, et je dirais même qu'un excès de créativité leur est venu de cette contrainte-là. Pourquoi n'a-t-on pas eu ces réalisateurs-là ici, chez nous, en Algérie ? Je ne peux pas dire que mon expérience soit grande dans ce domaine, mais j'entrevois, je vois à peu près que si l'Algérie, avec ses moyens humains, surtout humains, et puis aussi matériels, puisqu'elle a, elle a les moyens, je ne peux pas dire qu'elle n'a pas de moyens, l'Algérie. Elle a les moyens matériels, elle a les hommes, les sujets, il y en a à l'appel, enfin, ça éclate de toutes parts, d'une très grande richesse. Ben maintenant, il faut que cette richesse apparaisse. Je crois qu'il serait bien d'ailleurs que même des gens qui ne sont pas des professionnels fassent des films. Que ça devienne maintenant, petit à petit, tout le monde a eu son appareil photo ou son transistor. Peut-être qu'on va arriver maintenant à un moment où beaucoup de gens auront, par les moyens actuels, la vidéo et tout ça, n'hésiteront plus, ne reculeront plus devant l'urgente nécessité de filmer un pays merveilleux, un pays qui baigne encore dans une tragédie et qui a beaucoup de choses à dire. Par exemple, moi je pense que, bien sûr, la jeunesse d'octobre, c'est grâce à elle maintenant que nous respirons plus, mais si on faisait un jour un congrès des vieilles femmes algériennes, les plus vieilles, eh bien, si on les enregistrait, je crois qu'on resterait étonné. Parce qu'elles ont le don de la parole. Justement parce qu'elles sont femmes,
parce qu'elles sont, elles ont vécu enfermées, parce qu'elles ont terriblement souffert, parce qu'elles ont beaucoup enfanté, et parce que toujours leur vie s'est passée à avaler tasse de café sur tasse de café et à parler, et à parler, et à parler. Eh bien, pourquoi ne pas enregistrer tout ce qu'elles disent? Pourquoi ne pas en faire justement des films? Nous avons un problème identitaire qui est extrêmement fort. Nous ne ressemblons pas, nous n'avons pas de base culturelle sur laquelle nous appuyer et qui est éternelle, qui nous suit. Non, nous évoluons au gré des circonstances, des politiques, etc. etc. صراحة السينما الجزائرية يظهر لي ما حدث فيها تغيير كبير يعني كالقديم زعما ما بين القديم والجديد ما فيش تغيير ما فيش تغيير كبير يطرح نفس المشكل نفس الميم بروبليم توجور وصراحة أنا نفضل السينما العربية يعني لما نشوف فيلم عربي نشوف مثلا سيدة الشاشة فاتن حمامة تطرح مشكلها أو تمثل شخصيا ما شخصية أخرى يعني تتماشى مع تتماشى نيشان معها ما فيش يعني ما نحسوش بلي راهي تمثل نحسو راهي يعني تأدي شخصية على يعني تعيش شخصية نتاعها السينما الجزائرية بكل صراحة فيها أفلام وفيها سينما كما فيلم تاع الحريق فيلم واقعي وممتاز فيلم ما في حتى حاجة اللي وكاين أفلام كما ماشي فيلم تاع صباح الصغيرة راح نتحملها في الناس يقولوا أنا كل صراحة عجبتني صباح الصغيرة في دورها كممثلة الأفلام يعني ما زال ما بانوناش حنا هنا في الجزائر الأفلام أنا اللي عجبوني كتراهم تاع حسن حسن طيروح اللي فيلم هذوك شغل شعبيين جزائريين فيهم كل النشاط تاع المجتمع ديالنا C'est un problème politique, il ne faut pas se leurrer. Moi, je pense que le cinéma et le gouvernement vont s'en apercevoir parce que l'échec des précédents gouvernements, c'est d'avoir méprisé le cinéma. Aujourd'hui, ils peuvent pas, on ne peut pas développer l'Algérie moderne sans développer la télévision et le secteur audiovisuel. Parce que c'est là où se situe le goulot d'étranglement. C'est-à-dire qu'il est facile de se réunir en grande assemblée des cinéastes et de dire « Ouais, les pouvoirs publics n'ont pas donné ». Je ne dis pas ça pour défendre les pouvoirs publics, je ne les défends pas du tout. Mais je dis simplement, pour pouvoir constituer une force contre éventuellement les pouvoirs publics quand ils bloquent, encore faut-il déjà réellement avoir la volonté de faire, la volonté de produire. Et pour cela, il faut d'abord nettoyer à notre niveau. Bon, la production... par exemple, du film de long métrage est complètement bloqué et on trouve la grande excuse d'un drame, il n'y a pas d'argent. Moi, je dis, quand il y avait de l'argent, est-ce que nous allions... Mais on nous dit, il n'y a pas d'argent pour produire. Moi, je dis, alors, quand il y avait de l'argent, est-ce que quelqu'un nous a posé la question, nous a dit, venez, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent? Mais avant le long métrage... Je crois que c'est le court-métrage qui a pâti déjà de... Le court-métrage, ça fait maintenant plus de 10 ans que nous ne produisons plus de court-métrage chez nous. Ce qui est terrible, c'est que nous n'avons pas de film, par exemple, sur Zinet, alors qu'il est encore vivant. Nous avons l'ombre d'un film sur Issiakem. Et il y en a combien? Ici en Algérie maintenant, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup d'écrivains, il y a beaucoup de pensées, de recherches, de gens que les Algériens devraient connaître. Alors donc la télévision, moi je pense par exemple qu'ici maintenant avec les cinémathèques, c'est bien parce que c'est un pas pour qu'ensuite la télévision diffuse largement pour tout le public, pour le grand public, des films pareils. C'est une étape, je crois qu'il faut en arriver là. Parce que je sais par exemple, pour avoir connu Issiakem, bon, je sais qu'Issiakem c'est quelqu'un qu'on aurait pu faire effectivement 100 films sur Issiakem et les Algériens l'auraient écouté sans s'ennuyer une minute. Parce qu'il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et il les disait très bien. Bon. Et ben voilà, justement ce don de la parole, sa manière d'être, sa franchise,
on fait de lui un épouvantail. C'est pas ça, c'est un agité, c'est un ceci, c'est un extrémiste, c'est ceci, cela. Ce qu'il faut souhaiter maintenant, après ce qui s'est passé en octobre, justement, puisque quelques portes commencent à s'ouvrir, on voit un petit peu la presse écrite s'entrouvrir, la radio, peut-être une chaîne, je ne sais pas. Mais la télévision, ça reste encore une porte fermée, du moins ce que je crois. Et pourtant, c'est la plus grande des portes, celle-là. Moi, je dis, c'est le réalisateur qui est coupable. Le projet Mohamed Dib n'a jamais vu le jour, c'est le réalisateur qui est coupable. Et en plus, c'était lui qui avait proposé l'idée. Aujourd'hui, nous sommes en train de, au niveau du montage, nous montons un film sur Mouloud Mamri. Mais malheureusement, il a fallu l'accident malheureux qui a coûté la vie à Mouloud Mamri pour qu'enfin, on saute sur l'occasion et comme de coutume chez nous, on attend toujours que quelqu'un meure pour qu'on s'intéresse à lui. Enfin, moi, je dis que c'est à l'honneur du nouveau DG de l'MPA d'encourager, et je blâme personnellement, je blâme les réalisateurs qui font ça. Non, d'ailleurs, j'ai eu un réflexe. Je les ai surpris comme ça en train de discuter d'un projet debout. En deux mots, le DG qui lui dit oui, ils font ce travail. Je me disais, bon sang, si je pouvais me retrouver dans cette situation. C'est moi qui cours après le DG pour pouvoir travailler. Effectivement, on est un peu responsable, dans la mesure où on n'a pas su se serrer les coudes, étant donné qu'on avait en face de nous des gens, des responsables, qui faisaient tout pour nous diviser. Bon, ceci dit, je crois qu'il y a aussi autre chose qui fait qu'il y a eu une mauvaise gestion. On ne peut pas parler de mauvais système, on peut parler d'hommes, tout simplement, des gens qui n'ont pas su gérer la cinématographie. Ma réponse est très précise. Ce qu'a dit le directeur de l'MPA, je m'inscris en faux complètement. Parce que c'est bien que Dahen ait fait le film de Kateb Yassine. D'abord, le film de Kateb Yassine est exception. Lui-même, il a justifié cette coproduction en disant qu'aujourd'hui, l'Algérie, enfin avant octobre, l'Algérie n'était pas prête à accepter de financer un film sur Kateb Yassine. Parce qu'il y a des projets d'Algériens sur Kateb Yassine en Algérie. Simplement, le pouvoir Kateb Yassine était dans le ghetto. Il faut ça d'abord le dire. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, des projets sur ceci. J'en ai, j'ai voulu faire ces lois. Et je viens de faire le cardinal Duval. Eh bien, je vais vous dire, si je vous raconte l'histoire du cardinal Duval, si je n'ai pas fait preuve d'une volonté de faire, j'aurais dû abandonner. Alors, les projets sur Mohamed Dib, sur ceci, sur Mouloud Feraoul, bah écoutez, sur Mohamed Dib, est-ce que l'UNP est prête à financer un mois de tournage en France? Parce que le film de Mohamed Dib, il doit se faire en France. Et on va dire, il n'y a pas de devise. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'au niveau de l'UNPA, il y a peut-être un changement d'attitude au niveau de la direction, parce qu'il y a eu une nouvelle direction qui a voulu stimuler ça. Mais moi, je le dis, et je le redis, moi, épreuve à l'appui, je peux ramener des dossiers prêts. Et je me rappelle, juste après la mort, par exemple, de Mohamed Rassim, j'avais personnellement proposé un sujet sur Tamam. C'était le dernier miniaturiste et qui m'avait dit, je vais te communiquer des secrets concernant la miniature que personne n'ignore. J'ai abandonné, je vais plus loin encore. Non, ça a bien dîné, je l'ai fait en partie avec mes propres deniers. Le cinéaste qui avait initié eux-mêmes ou à qui on avait proposé ces projets qu'ils avaient acceptés. Ce n'est pas qu'ils les ont refusés, mais qu'ils ne se sont pas battus pour le faire, Willem. Et puis, au bout d'un certain temps, nous aussi, on se fatigue. J'ajouterai une seule chose. Une seule chose, et je termine avec ça. D'accord. J'ajouterai. Alors, si moi, cinéaste, je fais le scénario, je tourne, et en plus, je dois aller trouver l'argent, je pose la question, à quoi me sert l'administration?
Mais moi, je suis en Algérie considéré par les autorités cinématographiques de ce pays jusqu'à 89 comme un renégat, comme un bandit. Et pourtant, tu as fait combien de films? Et pourtant, j'ai fait cinq longs métrages. Absolument. Dont un actuellement passe depuis 9 semaines à Montréal et Ottawa, qui fait partie des premières recettes canadiennes, Arizona Stallion. Et l'Algérie n'en veut toujours pas. Mais moi, je pense que c'est de la jalousie, c'est-à-dire que ce sont des gens qui nous ont empêchés de faire des films, parce que nous avons fait une preuve à l'étranger, et bien avant, nous avons fait des films qui s'en sortent commercialement. Et ce sont des gens, c'est-à-dire qui nous ont empêchés à faire des films, nous ont empêchés d'exister. Et je ne sais pas pourquoi, mais en tous les cas, toutes les directions qui se sont succédées jusqu'en 1989 à la tête de cinéma national n'ont jamais rien voulu savoir. Moi, je trouve aussi ce qui est dramatique, c'est qu'en Algérie, il n'y a pas une politique cinématographique définie de dire, voilà, par an, on fait tant de films. Même les cinéastes algériens qui vivent ici quotidiennement, ce sont des gens qui font des films par accident et d'autres qui font des films par copinage. Et moi, je trouve une chose qui est injuste dans le cinéma algérien, ce que je disais, il n'y a pas une politique définie. Et ça aussi, c'est la faute un peu de certains ministres qui sont passés par là aussi, qui ont fait des déclarations, ils ont fait certains programmes de dire on va faire tant de films, et ces programmes n'ont été jamais respectés. Ils se sont accaparés l'argent du cinéma algérien à des fins très personnelles qui demanderaient un long débat national qu'on ne peut pas ici devant la télévision en parler parce que c'est trop technique, rentrer dans le détail, aussi bien pour les films qui ont été coproduits par les étrangers, avec les étrangers, pardon, et ça n'a jamais rien donné à ce pays. Ce pays a été vidé, les caisses de l'État algérien, du cinéma algérien ont été vidées, volées, dilapidées. Et les gens comme nous qui connaissons parfaitement la marche du cinéma sur le plan national et international, nous connaissons parfaitement son fonctionnement, nous sommes mis systématiquement de côté. On fait peur. Alors, on va travailler à l'étranger. À l'étranger, on croit en nous, on nous donne de l'argent, on fait des films. Par exemple, je trouve des gens comme Bloufa, comme Tsari, qui sont des grands cinéastes qui sont partis à l'étranger. Et c'est dommage pour le cinéma algérien. En ce qui me concerne, j'ai évolué dans le secteur étatique depuis 20 ans. Et ce qui est malheureux, ce que j'ai fait en 20 ans, ça peut représenter tout simplement 2 ans de travail ou 3 ans de travail normalement. Et ça, c'est dû, bien sûr, à la non-politique de la cinématographie, à l'absence. Et aussi, il n'y a jamais eu de structure complète qui nous a permis réellement d'investir dans ce secteur. De tout temps, moi, j'ai participé au cinéma national en tant que chef monteur. Et la chance m'a été offerte grâce à des gens qui ont compris ce sacrifice pour le cinéma national. Et réaliser un film, c'est quand même, il faut l'avouer, c'est quand même très très dur. Un nas al-masrahi ou nas al-film fi hadd dhatuh yartakiz ala ba'd al-kuttab li ma smahtlhomch al-dhuruf bash ykun hiwar w bash ykun ittisal bayn al-mukhrijin al-sinema'iyin aw al-masrahiyin w al-kuttab anfusahum. نلاحظ في بعض الأفلام مثلا الأفلام الوثائقية اللي تقريبا هي اللي تأخذ القسط الكبير من الفن السابع في بلادنا مثلا أفلام حربية اللي ترتكز في معظمها على حقائق من ثورة التحرير الكبرى لاحظ أن الإخراج أو الفيلم في حد ذاته لا بأس به ولكن فيما يخص النص نص الفيلم يعتبر ضعيف إلى حد كبير